maintenant sur Pocket Fighter. Pocket Fighter, un jeu Capcom encore, forcément. Je crois que sorti en 97, quelque chose comme ça. Ouais, c'est toi en P1 et c'est Rappeur Tugé en P2. Ok. Ok, c'est parti. Merde, c'est Zargat, pardon. C'est parti, les gars. Je vais essayer de vous montrer un peu la dose. Vous pouvez voir un petit peu de dose là sur l'écran de gauche. Ouais, donc Zargat qui joue un Zangief. Ah là, ces animations de super, c'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens. On dirait les animations de Injustice 2. Allez, bien joué, là maintenant il a l'opportunité de combo à l'infini. Non, dommage, il a raté. L'exé n'est pas encore là, c'est que le premier ranking. J'ai peur que d'ici le ranking 3 ou 4 sur ce jeu, on se retrouve avec des infinis à l'infini, j'ai envie de dire. Alors que là, Zargat s'est bien fait comboter dans le coin. Vas-y, vas-y. T'as encore le combo. Bien joué, la super, on confirme le stun. Et ta, bien joué. Tain, mais ce rappeur tugé est infernal. À peine il touche un jeu, à peine il balance les combos max. Allez, faut essayer peut-être de récupérer de la vie pour Zargat. Il n'y a pas un gros retard. Bon, il a retard d'un round, mais c'est pas fini, ça veut rien dire. La garde est bonne pour Zargat, maintenant il se fait presser, toujours la garde, c'est pas grave, y a pas de grade dans ce jeu. Oh putain, ça va faire mal, le confirme, et la super, bien joué, Rappeur Tugé 1, Zargat 0. Le son est un peu faible. Mourad, est-ce que tu peux monter le son du jeu un petit peu? Parce qu'ils entendent pas grand chose les gens sur le... Je vais essayer de vous monter le son du jeu les gars, c'est pas garanti mais... Merci pour la remarque, ok, ça marche. Allez, Zargat qui nous sort sa Tabasa. Alors Tabasa, je crois qu'elle s'appelle autrement dans la version américaine du jeu, mais je sais plus exactement. Allez, Zargat capture la garde. Est-ce que ça fait anti-air ça? Ah ouais. Allez, une petite moisson de gemme là pour Zargat. Ça fait pas tant de dégâts que ça, cette super qu'il a placé en anti-air. Allez, ah bien joué, la Reversal Dragon direct. Encore une super bien bourrée par Zargat. Bien joué. Le chain combo, sans problème pour Zargat. Attention au pied. On a un setup de stream là. Bon, ça marche, hein, ça fait une belle image et tout. Mais au niveau du câblage au sol, c'est vraiment pas idéal. Je suis sûr qu'un jour, on va se ramasser un gros débranchage de câble intempestif en plein match. Il faut qu'on trouve un autre setup là pour doser. Allez, cette fois la garder là pour Rappeur Tugé. Et ah dommage, pas d'ouverture pour Rappeur Tugé. Allez bien, je vais encore en tir pour Zargat. C'est un dash avant point ça en fait, je crois. Et rebourrage de super. Oh la super dans la super. Ah là, ça va faire mal pour Zargat parce que derrière... Ah non, ça va, il n'y a pas la suite de l'animation. Bon, c'est quand même remporté sans problème par Rappeur Tugé. Balle de match pour Rappeur Tugé du coup. Yes, it's Puzzle Fighter actually. No, it's not Puzzle Fighter. Puzzle Fighter is a puzzle game. This is... it's called Gem Fighter. I think it's called in USA, it's Super Gem Fighter Mini Mix, something like that. We used to play in the Japanese version, so it's Pocket Fighter. Merci Donyan. Allez, la confirme, elle a super, radadadadadada, ça tue pas, il reste encore un peu de points de vie pour Zargat, attention, la balle de match. Balle de match, ah là là, ça va faire mal. Oh non, c'est bon, il s'en sort bien. Oh non, quel dommage. Ah, c'était très peu lisible l'action là dans le coin. Alors attends, qui est-ce qui était en loser? Ah, c'est Zargat qui était en loser, donc du coup, victoire de Rappeur Tugé. Premier champion de ce season game sur Pocket Fighter.
Allez, on va enchaîner sur un autre jeu. Allez, on enchaîne un autre jeu, les gars. Faites-moi de la place, on peut se passer avec les câbles. Allez, on va sur 3-3. Trouvez-moi les joueurs 3-3. T'as appuyé sur start, François, juste pour que je vois si j'ai du son. Faut mettre les noms par contre s'il vous plaît quelqu'un. Donc en P1, alors la grande finale là, de Vampire Savior. Donc en P1 on a Rappeur Tuguet qui va jouer Galon. Et Mitsu en P2, toujours un Dimitri noir, le Dimitri côté obscur. Allez. Ah par contre putain mais il n'y a pas de son là. Putain mais faut monter le son entre deux matchs. On va essayer de vous monter un peu le son du jeu. Parce que je pense que même les joueurs n'entendent pas le son du jeu là. Tellement c'est faible. En fait, faut baisser 2x là. Si quelqu'un peut baisser 2x s'il vous plaît. En fait, il n'y a pas de free play les gars normalement là pendant qu'on fait les finales, hein, je rappelle, hein, mais... Ouais. Allez, pendant ce temps, putain, Dimitri un peu dans le caca. Ah là, il va revenir avec la super 2 barres. C'est bien ça. Bien joué, Dragon là pour Mitsu maintenant qui va pour mettre le pressing. Non, rien du tout. Ah il a tenté de s'enfuir au rappeur Tuguet avec Galon. En fait Galon il peut faire la boule vers l'avant, vers l'arrière, dans toutes les directions qu'il veut. Et ensuite il peut repartir bah, dans le sens qui l'intéresse. Quoi. Si jamais il voit qu'il n'est pas safe, il peut essayer de se barrer. Mais là Mitsu avait bien mindé. Oh, le pressing est infernal là de rappeur Tuguet, dommage pour lui. Ah, il a quand même un petit avantage énergie là pour rappeur Tuguet. Bien joué, bon dragon là de Mitsu. Pressing, laisse s'enfuir rappeur Tuguet. La mise au sol maintenant, dommage, pas d'OTG, le dash avant, le dash attaque, une des très très grandes forces de Galon en fait, la dash attaque qui touche overhead en fait depuis vachement loin. C'est-à-dire que vous pouvez être à l'autre bout de l'écran et un quart de seconde après vous êtes in your face overhead. Attention là c'est vraiment la fin du match, il reste plus beaucoup à la shop, bien joué. Je vais monter le son du jeu. Voilà. Allez c'est bon. Allez, ça reste sur les persos. Ça joue la sécurité quand même. Il faut essayer de zoner à la boule en fait avec Dimitri dans la plupart des match-ups, sauf bah, contre 3-4 persos comme Galon ou comme QB. Parce qu'en fait, zoner à la boule, ça sert à rien parce qu'il suffit que l'adversaire se baisse pour passer sous la boule. C'est un peu comme un Tiger Shot O de Sagat, mais sur 3 ou 4 personnages du cast seulement. Attention, là, la phase. Récupérer un petit peu d'énergie, là, Mitsu, c'est bon. Il a de quoi encaisser un ou deux coups maintenant, ça va mieux. Et il reprend même presque l'avantage, là, sur Rappeur Tuguet. Bien joué. Stand MK Bull. En fait, c'est pas vraiment un Ryu, Dimitri. Vous pouvez pas faire bas MK Bull. Il faut faire Stand MK Bull pour que ça combote. Le Stand MK, le bas MK, il a pas les grosses frames de... Enfin comment dire, il hitstun pas beaucoup en fait.
Donc si vous voulez être sûr de comboter une boule après quelque chose, il faut finir par un stand MK en fait. Bien joué, décalage chop de Mitsu. Attention, une balle de match là pour Mitsu. Hey, hey, non, rien du tout. La bonne chop trouvée par rapport Chige qui met au coin adversaire. Et maintenant, c'est le pressing devant derrière. Hey, encore le air-to-air favorable. Ouh, bien joué. Bon décalage là de Mitsu. Et c'est la victoire de Mitsu. Bien joué Mitsu. Allez, quelqu'un qui me reprend le casque, s'il vous plaît, en même temps que je décale le setup. En P2, on a Banshee Bot qui a bien progressé à 3-3. Hein. Il casse pas mal des bouches maintenant. Bon, c'est pas non plus 12 heures du jeu, mais... Boris, tu peux reset la borne, tu sais faire ou pas? 2-3-3. Attends, j'arrive. Tiens. Et ben voilà, bah c'est parti, la grande finale de 3.3 du jour. Allez, encore une finale 100% lyonnaise là. 100% lyonnaise comme la précédente. Orochikem avec sa Chun-Li qui a cassé pas mal de bouches aujourd'hui. Moi, il m'a défoncé. Il m'a rappelé que dans le match-up Urien Chun-Li, faut pas faire de boule avec Urien dès que Chun-Li est la super. Bonne pari là, maintenant mise au sol, pas de pressing particulier, juste un stand HP. C'est vrai que c'est des bons outils, stand HP. Hey, hey, dommage. Bien joué, la chope, la mise au coin maintenant. Attention, le moindre confirme, c'est la super. Le moindre BMK, Orochikem vous le confirme direct dans les dents. Attention, bien joué la face devant derrière. Oh, le BMK Fury, ouais, un peu gâché. Une barre de gâché avec Gookie, ça peut être la fin du match, surtout face à Chun-Li, parce que la main d'ouverture, ça fait mal. Là, 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 attention les dégâts. Hey, hey, la phase, la chope, bien joué. Très bien joué de la part d'Orochikem, un bon décalage. T'avais l'impression qu'il était à la mauvaise distance, mais en fait, en 2-3 pas, Chun-Li, elle se déplace tellement vite qu'elle peut être in your face, et c'est la chope direct dans les dents. Allez, boule BMK, non, boule Tatsu, attention. Pas de punition. Ah, le stand HK. Le stand MK, je sais plus. Hey, hey, non, rien. Bien joué, ça, le Demon Flip. Phase overhead. Allez, encore. Hey, bien joué la pari. Il se laisse pas gratter, Orochikem quand même. Ah, ça cherche l'ouverture, attention. Attention à la moindre touche. Le Justin Wong local. Ah, ça va, ça confirme bien, hein, ça bourre pas au pif. Hein. Ce sont les stands HK là. Ça arrache la barre sur Gookie qui a vraiment pas d'HP. Ouh, attention là, c'était quasiment une ouverture de confirme ça. Très
très prudent quand même Orochikan. C'est pas parce qu'il a une barre, attention. Bien joué Bahem qui a Fury. Ça fait mal, ça confirme très très bien du côté des deux joueurs. Attention, bien joué, décalage. Décalage 1, je veux dire, il a fait pari et dommage, il n'y a rien eu derrière. Et maintenant, hey, hey, hey. Oh, attention, la face. Non. Ce gâchis de Banshee-Bot. Allez, 1-0. 1-0 pour Orochikan. Allez, sur votre droite, sur la caméra de droite, vous avez Banshee-Bot. Et la caméra de gauche, je vais pas réussir à vous la mettre. J'arriverai pas à avoir un point de vue sur Banshee-Bot, les gars. Ah si, ça va, je devrais y arriver. Sur Kem, voilà, ça vous pouvez voir un peu les joueurs. Kem au centre de l'image de gauche, Banshee-Bot en blanc dans l'image de droite. Bien joué, le stand HP là pour zoner. Attention, il a Fury hein, chez Orochikan. La Chun-Li qui a la Fury, attention. Ils sont à distance de touche à chaque fois, c'est au pixel près les gars. Attention, l'overhead, non rien. HP, high cancel, soit arrière. Hey, hey, ouh, pas d'ouverture là-dessus, quel dommage. Attention, la face devant derrière. Oh là, mais le scissor kick là. Ça aurait pu faire très mal. Il y avait une belle opportunité de punition là pour Banshee-Bot, c'est dommage. Attention, le pari. Oui. C'est bien ça, encore. Hey, hey, attention, un décalage, il sait faire. Hein. Bas petit point, super. Allez, allez, un comeback là pour... Oui, Banshee-Bot, bien joué. Ah, le joli comeback de Banshee-Bot. Ça fait plaisir. Il a pas tremblé. Orochikan qui a un peu fait le dingue. Un peu joué la provocation presque. Hein. Là, je vais balayette. Oh, BFK, Demon Flip. Demon Flip à rien. Ouais, le dragon à la relever, c'était même pas reversal. Bien joué, confirme, super. Et maintenant la pression, peut-être une balle de retour sur... Dommage, il n'y avait pas de super là pour confirmer. Peut-être le comeback là pour Banshee-Bot qui vient des losers. Non, c'est... Non, c'est Orochikan qui vient des losers. Ah ouais. Grâce à l'abandon de Jojo Master, aka George, aka Big Buy 50 pour un café ou je sais plus quoi. Big Buy 10, 50 euros, c'est ça. Allez, punition bien ça mon gars. Allez, ben... Banshee-Bot qui est à deux doigts de remporter le match hein, parce que là maintenant il y a un partout, lui il est en winner. Une bonne opportunité de victoire pour lui. Putain, Banshee-Bot qui gagnerait un tournoi de 3-3, ça serait extraordinaire. Allez, ça reste sur les persos. Orochikan il joue pas mal de persos à 3-3, mais quand il commence un ranking chez nous, il garde son perso jusqu'à la fin en général. Il s'amuse pas à counter-pick en fonction du match-up. Allez, bien joué Paris BMP, ouais, bon. C'est pas le mieux, mais... Bien joué l'overhead, pas gardé par Banshee-Bot. Ah, l'overhead qui whiff, un peu trop en avance. Bien joué Demon Flip qui pousse dans le coin. Demon Flip pied, dive kick. Attention, dommage là, pas de confirme. BMK, Fury, presque la mort. Et maintenant... Ouh, il a essayé de feinter une espèce de phase bizarre. Il était juste à la mauvaise distance pour que ça touche. Ça a peut-être un peu troublé l'adversaire. Et derrière, la mort. Donc la balle de match hein, pour Banshee-Bot quand même. C'est pas rien. Surtout avec Gookie. Pas un personnage ultra fort à Street 3. Il se défend bien quand même hein, grâce à 2-3 combos et 2-3 bons gros dégâts et des phases intéressantes. Mais bon, Chun-Li dans la tier list, ça va chercher beaucoup plus haut quand même. Maintenant la mise dans le coin, bien joué le dragon qui le sauve sur sa relevée. Oh là, pas de confirme, super, quel dommage, par contre le confirme là il est du côté de Orochikan qui va essayer de sauver une première balle de match. Attention, le décalage chop, l'overhead, le deuxième overhead, c'est bien. Ah, un petit peu de hype là sur cette finale de 3-3, toujours une balle de match quand même hein, pour Banshee-Bot. Allez, bien joué, BMK, Fury direct, il prend un bon avantage, une bonne option sur la victoire Banshee-Bot. La pression, bien joué, décalage chop. Les deux adversaires qui se regardent pendant quelques microsecondes. Bien joué là. Oh, quel dommage cette très très mauvaise confirme. Il n'y a pas vraiment de punition. Ah si, bonne punition possible. BMK Tatsu Dragon. Attention là, Banshee-Bot qui est vraiment à deux doigts de remporter le match. Contre un bon adversaire quand même pour lui. Hein. Orochikan remporte souvent des rankings de 3-3. Orochikan.
Banshee-Bolt n'a jamais gagné. Attention, les overheads à l'infini, ça peut faire mal. Mais il reste vraiment plus grand chose à gratter. Un confirme, ça sera bon pour Banshee-Bolt. Ah, ce Hadoken, quel dommage. Pas grand chose à en faire, au corps à corps. Allez, la moindre ouverture, c'est bon ça pour. Oh là là, attention! Décalage de chop. Ça va super vite en plus à 3-3. Ah, il fait tellement de sauts à l'emporte-pièce en plus. Banshee-Bolt, attention! BMK Fury, là c'est la mort quasiment. Un BMK Fury qui passe, ça peut être vraiment dévastateur sur Gookie. Ah, surtout maintenant après cette chop bien trouvée par Banshee-Bolt, par Orochikem. Ah, la confirme qui est pas là! Ça va finir sur une gratte! C'est la gratte! Oh oui! Bien joué Banshee-Bolt. Victoire de Banshee-Bolt à 3.3. Première victoire de Banshee-Bolt à un tournoi de 3-3. Allez, il nous reste Karnov. Il nous reste Karnov, les gars. Allez, les joueurs de Karnov, s'il vous Donian, qu'est-ce que ça dit niveau du son? Parce que j'ai l'impression que c'est très très fort. Thank you.
Ah, là on n'entend plus du tout le son du jeu. Là vous avez plus de son du jeu les gars. Là c'est pas trop mal, je vais essayer de baisser un petit peu. Ouais là c'est pas mal niveau du son là, non qu'est-ce que t'en penses Donian? Allez, il me faut Mitsu là, où c'est qu'il est Mitsu? Mais c'est un taf les gars d'organiser les tournois, je vous raconte pas. Putain, allez, maintenant la dernière des finales arcade. Donc c'est Mitsu versus Karnov Zargato. Allez, une petite finale Mitsu Zargat pour changer à Karnov's Revenge. Zargat et Mitsu, nos deux meilleurs joueurs français sur le jeu. Quasi indiscutablement, malgré le gros niveau à Nancy. Je veux pas manquer de respect à Nancy, mais c'est vrai que ces deux mecs-là sont partis deux stratosphères plus loin dans le jeu. Et c'était tellement dommage de pas les avoir sous le coude au Japon pour le Team Battle France-Japon. On s'est évidemment fait défoncer. Bien joué là, bon confirme de Mitsu. Alors qui est en loser, qui est en winner? Je n'en sais rien. Karnov, est-ce que je l'ai là, Karnov. Oh là là, ça fait tellement mal. Le stun. Et donc c'est Mitsu qui est en finale winner. Donc Mitsu qui a deux vies. Et qui prend déjà le bon ascendant sur Zargat avec ce perfect. Ce 2-0 et un perfect. Est-ce que Zargat va réussir à remonter la pente? C'est pas gagné. Mais il peut le faire, il a un perso, il a les outils, il a les réflexes, il a tout ce qu'il faut. Voilà, avec cette ouverture, bien joué, qui va pas stun, mais qui va faire quand même 80, allez, 60, 70% de dégâts. Allez, le ballon pour garder la pression, dommage. Hellfire qui maintenant va lui peut-être renverser le match, renverser la situation. Allez, faut pas faire le dingue Zargat, attention, la moindre ouverture. Ça peut faire très mal, surtout avec le point faible assez haut, enfin haut centré en fait, hein, de Karnov. Qui ramasse dommage, le combo qui est pas entier, l'infini qui n'est pas infini, qui est pas en entier là pour Mitsu. Mais s'en bat les couilles parce qu'il a quand même fait une belle remontée. Il nous a quand même fait une belle remontée. T'as noté quoi là? Ça? Ah bah ça sert à rien de le noter, je le capture pas. Pendant ce temps, putain, Zargat qui trouve encore une belle ouverture, qui fait un 45% de dégâts là sur Mitsu. Allez, faut pas abandonner Zargat, attention, le point faible, ça clignote direct, à peine quelques hits en touche, et le point faible qui clignote. En tout cas, celui de Mitsu clignote aussi, ça peut... Là, le match, il peut se finir en une frame, hein. Le premier qui touche le point faible de l'autre, attention! Maintenant, Zargat qui va essayer de revenir, hey, bien joué Zargat, qui sauve une balle de match face à Mitsu. Balloon, allez c'est reparti. Hey, tout en garde, bien joué, bien gardé par Mitsu. Trouve maintenant la phase de mise au sol. Boula boula, ça pousse dans le coin. Boula boula, boula boula. Bien joué, le air-to-air favorable, le cross-down, bien gardé par Zargat. Ah, les réflexes ils sont là, bien joué, l'anti-air parfait sur la fin du balloon. La phase de cross-down, de cross-up qui touche l'eau derrière. Ah, le point fait de Zargat, ça peut finir le match en une seconde. Attention sur cet anti-air. Oh non, la garde qui n'était pas là. Et la victoire de Mitsu. Sans problème. Et c'est la fin de ces finales arcade.
On va pouvoir passer au final console si les consoles sont prêtes. Je vais vous demander une pause de quelques minutes, le temps de faire le point avec les collègues du bas pour voir où ils en sont. A tout de suite. Allez, les finales arcade, c'est fini. Les finales console, c'est pour maintenant. On va commencer avec du Guilty Gear, si j'ai bien compris. Guilty Gear ? Qs ? Guilty Gear ? Oh, je voulais le dragon dedans.